ici, je vous dois la vie. Ces salopards m'avaient repéré. Qu'est-ce qui s'est passé? La salamandre. J'étais à deux doigts de résoudre l'affaire. Vous ne risquez plus rien. Ça m'étonnerait. Ils me suivent jour et nuit. Qu'allons-nous faire? Je les mets sur une fausse piste et vous interrogez les nouveaux suspects. Qui? Prenez ces notes. C'est la liste de toutes nos pistes et de nos suspects. Que comptez-vous faire? Ils sont sur mes talons. Il faut que je me fasse oublier. Je vais les attirer ailleurs, mais vous devez finir l'enquête tout seul. Je vous retrouverai le moment venu, loup blanc. Il faut que nous parlions. De quoi donc? Des gens sont morts à l'hôpital. Tu y es pour quelque chose? Explique-toi. J'ai interrogé un prisonnier. Des voyous nous ont interrompus et le garde a découvert leur corps, peu après. Je vais te dire ce que j'ai appris. Le prisonnier doit être transféré en lieu sûr. Merci pour ta compréhension, Shani. Je fais de mon mieux pour veiller sur toi. Tu te souviens du fanfaron de la chambre 2? Pourquoi? Il est mort ce matin. Il a fait semblant... Je peux me rendre utile? Tes talents ne servent à rien ici. Eh bien... Nous n'avons pas encore de traitement contre la peste, mais... Tu connaissais Rusty? Ça ne me dit rien. Avant que la peste l'emporte, il avait découvert que certains extraits de plantes retardent la progression de la maladie. Il te faut ces plantes? Oui, et la plus efficace est la Kélidouane. Malheureusement, on ne la trouve qu'en terrain marécageux. Je ferai au mieux. Chaque fleur compte. Rapporte ça au moins 5 pouces. À bientôt. Fais vite, je dois reprendre le travail. Je suis si fatiguée. Je n'ose pas acheter du poisson. Peut-être qu'il transmet la peste. Thank you.
Bienvenue, voyageur. Il paraît que vous achetez des bijoux. Et si c'est le cas? Dites-moi qui achète des écussons de la salamandre ou votre mère ne vous reconnaîtra plus. Laissez-moi. Laissez-moi. Tu veux acheter un truc? On m'a dit que vous étiez en affaire avec Talar. Oui, mais c'est pas les tiennes, ces affaires. Je suis passé chez Talar. J'y ai trouvé quelques affaires qui appartiennent à quelqu'un que je recherche. Ouais, et alors? Elles étaient à un sorceleur. Comment les avez-vous eues? On les a trouvées. Ton ami, il avait des problèmes à force de traficoter avec la salamandre. T'as qu'à demander aux gens des marais où on a trouvé ces trucs. Tu veux acheter un truc? Tu veux acheter un truc? Vous avez déjà vu l'emblème de la salamandre? Fous-moi la paix! Mais... Barre-toi! Barre-toi! C'est pas vrai! Quoi qu'il arrive, ne pariez pas sur la boxe. C'est truqué! Que voulez-vous? Vous avez une chambre? 5 or 1. Qu'est-ce que tu ziotes? Y'a rien de plus drôle que de tuer quelqu'un. Bonjour. Vous voulez manger? Ou vous avez autre chose en tête? Comme quoi? On a un lit très confortable derrière. Alors, ce sera quoi? Passons derrière. Je disais ça pour rire. Mon homme me couperait la tête si j'allais avec vous. Ça vaut peut-être la peine de prendre le risque? Non. La dernière fois qu'il m'a battu, j'ai craché une dent. Quoi de neuf dans cette cité? Les gars se battent. Il y en a qui prennent des paris. De temps en temps, ils assomment un étranger. Bref, on s'ennuie. Et mes doux sur boxeur. Ça, c'est un bâtard costaud. Chut, va t'entendre. Il aime bien qu'on parle comme ça. Dernière. Ah, on ne peut pas boire ça. Et puis c'est quoi d'abord? Du vin. Du vin?
Ceux qui appellent ça du vin sont des criminels. Alors c'est quoi? De la pisse de chien. C'est pour ça que je viens jamais ici. Je croyais que c'était la seule taverne de la cité. Je vis dans le quartier des marchands. Mais là-bas, ils ont fermé toutes les tavernes. Vous voulez gagner de l'argent? Vous aviez parlé d'un travail pour moi. De quoi s'agit-il? Je sais où trouver de l'alcool digne de ce nom. Mais il faut un glaive pour le prendre. Il vous faut un guerrier pour boire un verre? Je sais où trouver du vin de Toussaint vieux de 100 ans. Ça a l'air trop beau. La cave à vin est dans une maison hantée par des monstres. Ça coûtera 200 orins. D'accord. Je reviendrai ici à minuit. Où est cette maison? Prenez la porte qui va à la digue. À droite, le chemin descend vers le canal. C'est la maison sur la gauche. Tu veux acheter un truc? Vous avez besoin d'un sorceleur? Bah, puisque tu proposes... Oui. Il y a une maison hantée. C'est plus un boulot d'exorciste que de sorceleur. Des fantômes? Ce qui compte, c'est le résultat. Je veux des chaises qui bougent pas, des portes qui restent fermées et la vaisselle qui tient au mur. Tu veux jeter un coup d'œil? Je vais voir ça. À la bonne heure! La maison est à côté de l'entrée des égouts, près de la porte de la digue. Rien ne vaut un bon vitrier pour éliminer les courants d'air. Oh!
J'ai la gorge sèche. Plus drôle que de tuer quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai été censé faire? Qu'est-ce que tu veux? L'emblème de la salamandre. Vous connaissez? Souvent vu, ouais. Vous feriez bien de tout me dire. Le nom d'Azar vous est familier? J'ai une règle d'or. Avant de trancher la gorge de quelqu'un, je lui donne un dernier conseil. Ne me menace jamais. N'oublie pas ça. Je veux dire, dans la vie, tout est une question d'image, tu vois. Je veux vous parler de la salamandre. Vite alors. Dès qu'il s'agit de la salamandre, vos hommes deviennent nerveux. Mes gars sont comme moi. Ils aiment pas la salamandre. Je vois. On règle vite ses comptes dans la pègre. Autre chose. Pourquoi avez-vous contacté Berengar? En quoi ça te regarde? C'était mon frère. J'ai l'air d'une pute, à ton avis? Non. Alors pourquoi t'essaies de m'enculer? Pour la dernière fois. En quoi ça te concerne? C'était un ami. Je soupçonne la salamandre d'avoir joué un rôle dans sa disparition. Berengar traficotait avec la salamandre. Comme on dit, garde tes amis près de toi, et tes ennemis encore plus près. Il a disparu dans les marais. Kalksten a engagé un de mes gars pour le retrouver. Et il a disparu lui aussi. C'est tout. Allez, dégage. Vos hommes m'ont attaqué à l'hôpital. Tu délires. Je les ai envoyés récupérer un des nôtres. Je vous crois. Je crois que j'ai enfin compris. Vous voulez la vérité sur la salamandre? Balance. Je résume. Allez. Le symbole de la salamandre vous rend nerveux, vous et vos gars. T'as remarqué? Plutôt normal, puisque vous menez une guerre d'influence contre eux. Tu es sûr? Je sens de la peur. Tu m'emmerdes. Vous avez cru que la salamandre m'avait envoyé, moi, pour vous tuer. Et pareil pour Berengar. Je croyais qu'il pouvait me mener jusqu'au chef de la salamandre. Mais Berengar a disparu. Cependant, votre homme a quand même appris quelque chose. Manque de peau, la salamandre l'avait repéré. Et les gardes l'ont capturé. Ce que j'ai envoyé à son secours, tu les as découpés. Il était du genre sournois. Ils s'attendaient à une attaque de la salamandre. Ils ont dû te prendre pour l'un d'eux. Et mon gars, il a dit quoi? Pas grand-chose. Il était gravement atteint. Dommage. Un malentendu, quoi. Je te pardonne le meurtre de mon équipe. Tu es un type bien, loup. Je sais que vous pourchassez la salamandre. Je fais la même chose. Javed veut prendre le contrôle de mes affaires. Il a voulu commencer par les filles. Tu sais pourquoi? Même s'il a quitté Zerikania il y a un bail pour devenir mage, au fond de lui, c'est encore le même enfoiré de sauvage. Tu piges? Pas vraiment. Il a ses fantasmes, comme le feu. Les filles, il leur fout la trouille. Merci. J'ai beaucoup appris. De rien. À plus tard.